soir, Montreux, s'il vous plaît, faites-moi un maximum de bruit! T'aimes ce que tu vois? T'aimes ça? Tu devrais pas, mon ami. Je suis très content d'être là, les amis. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chris Mukuna. J'ai 34 ans, comédien humoriste. Et vous l'avez entendu à mon nom de famille, Mukuna, à mon visage. Moi, je ne suis pas d'ici à la base. Je suis originaire des Grisons. J'ai aussi... Je sais ce que vous dites, hein. Ça tape fort là-bas, le réchauffement climatique. C'est ça. Tout le monde voit où se trouvent les Grisons, les amis? Vous voyez un peu? Il y a tous les villages qui se trouvent à côté de quoi? Exactement 5000 km au sud, Kinshasa. Vous connaissez un peu? Ils font de la viande séchée là-bas, c'est une tuerie. Non, là-bas, moi, je suis congolais et suisse. Et je suis arrivé à une année à Neuchâtel, en Suisse romande. Et depuis que je suis dans ce beau pays, on dit de moi que je suis un Suisse AOC. C'est moi, Suisse AOC, oui. Suisse africain originaire du Congo. Vous avez... Regardez ma tête, je ressemble pas à Heidi, on est d'accord? Posez-vous les bonnes questions, les amis. Je sais comment être là, mais avant de commencer à rigoler, j'ai besoin de savoir si on peut rire de tout ici. Parce qu'on va pas se mentir, en tant qu'humoriste, c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut pas blesser les gens, il faut pas vexer les gens. Et si tu fais une mauvaise blague, on peut même te gifler sur scène. Au State, on appelle ça une Will Smith. Ici, en Europe, on appelle ça recevoir une Macron. Tu vois le truc ou pas? C'est compliqué. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, je joue mon spectacle à Neuchâtel. À la fin du show, une dame vient me voir énervée. Monsieur Mukuna! Oui, madame. J'ai beaucoup aimé votre spectacle. On dirait pas, madame. Calmez-vous. Monsieur Mukuna, vous avez fait une blague sur les phoques. J'ai pas aimé. Madame, je voulais pas vous vexer. Excusez-moi. Elle s'énerve. Monsieur, vous rendez compte que les phoques, ils sont même pas là pour se défendre? Madame, je fais mes spectacles en Suisse romande, pas sur la banquise. Et je suis sûr, si les phoques avaient été là, mon spectacle, ils auraient fait... Elle a pas rigolé. Mais elle s'est calmée. Elle m'a dit, excusez-moi, monsieur Mukuna, d'être aussi énervé comme ça, mais j'adore les phoques. C'est mon animal totem. J'ai même créé une association pour eux qui s'appelle Pray for Fuck. Pardon? Pray for fuck. Pray for fuck? Pray for fuck, madame? Est-ce que vous parlez anglais? Non, pas du tout. Il faut apprendre, madame. What the fuck, madame? Donc je vous pose la question, les amis, ce soir à Montreux, si c'est bien fait, si c'est bien amené, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui! Yes! Ça fait plaisir. Moi, donc, je dis, je viens de Neuchâtel, un petit quartier qui s'appelle Denis de Rougemont. Vous connaissez un petit peu? Non? Ouais, DDR. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Google « Étranger City, Neuchâtel ». C'est chez moi, tu vois. Il y avait tous les étrangers là-bas. J'ai grandi avec plein d'ethnies, congolais, togolais, chinois, vietnamiens, français, italiens, et seulement 4 familles suisses. C'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, une seule famille a survécu. T'avais l'impression que pour ces familles suisses, vivre à Denis de Rougemont, c'est comme s'ils étaient à Koh-Lanta. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Denis de Rougemont avec son atmosphère hostile, ses tags contre les murs et son taux élevé d'étrangers. 4 familles suisses ont décidé de tenter l'aventure. Elles ont tout quitté, leur confort, leurs amis, mais surtout leur tranquillité. Dans cette aventure humaine, elles seront confrontées à l'appel à la prière à 3 heures du matin, aux odeurs de la nourriture subsaharienne, sans oublier les klaxons portugais et la gestuelle italienne. Mais aussi les coups de couteau albano-kosovars et le look vestimentaire des sapeurs congolais. Dans ces aventures, ces familles suisses devront être fortes, compréhensives, tolérantes, pour mieux s'intégrer. Car à la fin de l'aventure, il ne restera plus qu'une seule et unique famille d'origine suisse. Bonne chance à elle. Que le jeu commence. Quelle merde! Non, j'adorais ce quartier. C'est un quartier riche, en couleurs, je précise. Le seul truc qui me faisait peur dans mon quartier là-bas, c'est les vieilles dames. Passer 75 ans, 80 ans, je sais pas, je les attire. Vraiment, encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je marche dans les rues de Neuchâtel, une vieille dame arrive. « Monsieur, vous venez d'où ?»« Bonjour, pour commencer. » Elle est dans son délire. « Non, monsieur, vous venez d'où ?» Je réponds, « Madame, moi, je suis suisse. »« Oui, mais d'où ?»
Je viens d'une petite ville, Neuchâtel, vous connaissez? Oui, mais vous venez d'où? On était clairement en train de jouer à Où est Charlie? Et j'étais Charlie, ok? Elle me trouvait pas dans le bon continent, on était à Lens. Elle me pose cette question, monsieur, vous venez d'où? Exactement. Et là, je laisse tomber, je dis, madame, voilà, moi je suis né au Congo, en République démocratique du Congo, voilà. Et là, elle me dit, voilà, monsieur, je vous ai trouvé. Congo, tu as un truc ou pas? Je me dis, bon, je m'en vais, elle m'arrête. Et dit, attendez, monsieur, vous allez bientôt retourner au pays d'Afrique? Madame, avec tout mon respect, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Les amis, ils me donnent une réponse que j'oublierai jamais. Elle me dit, monsieur, vous savez que mon mari aussi est un continent? Et ça l'empêche pas de retourner chez lui. J'ai pris un billet, j'ai voulu rentrer, les amis. Non, c'est une dinguerie, j'adore mon quartier des Rougemont. C'est la première fois là-bas aussi où on m'a proposé de faire du camping. Par applaudissement, ce soir, montre-eux qui a déjà fait du camping dans la salle. Qui? Ça fait du monde. Moi, je dis la vérité, j'ai jamais fait de camping de ma vie. Mes parents m'ont jamais proposé de faire du camping parce qu'en fait, on vivait dans un appartement. Et chaque mois, en fait, on payait un loyer pour pas se faire virer de l'appartement. C'est un concept qui marche plutôt bien. Hein? J'ai fait le camping parce que comme on dit, qui ne tente rien, fait pas de camping. Du coup, je rentre le soir, je réfléchis, je me dis quand même, on va pas se mentir ce soir, Montreux, le camping, c'est une activité de pays riche. On va pas se mentir. Ceux qui ont applaudi, imaginez expliquer le concept du camping à un migrant. Il va péter un câble, on est d'accord, il va péter un câble. Moi, j'imagine mon père, il y a 34 ans, qui est venu en Suisse, il a fui son pays, on lui raconte le concept du camping, il va te frapper bêtement. Donc, attendez, messieurs, n'aie pas peur, viens, attends. Toi, t'as la maison, d'accord, hein? Est-ce que tu as l'eau courante tous les jours? Eau chaude, eau froide? Tu ne fais pas 40 km pour de l'eau sale, on est d'accord, hein? Tu as le courant tous les jours? Clac, clac, on te voit, clic, clic, on te voit plus? Dieu t'aime, tu sais ça? Question bête, est-ce que tu as les murs? 4? Il n'y a pas les trous dedans. Tu m'as dit quoi? Il y a le toit au-dessus? Il a le toit. Pourtant, tu décides tout seul d'aller dormir dehors, dans les jardins de quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu les payes pour ça. Tu as la maison. Tu prends toute ta famille avec toi pour dormir sous un arbre comme ça. Mais tu as la maison. En plus, tu aimes ça. Tu prends ton papier toilette sous les bras. Tu siffles fiou, pour faire caca avec des gens que tu connais même pas. Je vous dirais juste une seule chose, messieurs, dames, des gens civilisés. What the fuck?